Instant gourmand avec les délices d'Alpage, la dernière conserverie artisanale de montagne qui fait des très bons produits avec nous. Philippe Monnet. Bonjour. Philippe Monnet a installé cette conserverie, les délices d'Alpage, entre Morzine et Léger, c'est ça hein? Tout à fait, à Essert-Romont exactement. Donc vraiment au centre de la Haute-Savoie. Alors des bons produits qu'on voit ici. Alors vous servez à peu près 600 points de vente en Pays de Savoie, bientôt sur le e-commerce. Philippe, ce sont que des produits fabriqués en Pays de Savoie avec des ingrédients qui viennent d'ici, de la montagne. Tout à fait. Aujourd'hui, les ingrédients, on travaille avec du porc de Haute-Savoie, de l'entreprise Butet. On travaille avec des maraîchers, avec les fromagers. Enfin voilà, 99% des produits viennent et sont issus des Pays de Savoie. La proximité et la qualité. Exemple, par exemple, ici, la crème de potiron aux châtaignes. Alors ça, c'est bon, hein. Ça fait comment alors, potiron châtaigne? Eh ben, potiron châtaigne, on a deux producteurs là, de potiron là, sur la Haute-Savoie qui nous font des magnifiques produits. On le fait de façon artisanale et voilà, composé de châtaigne nature, c'est un vrai régal. Alors soupe bûcheronne, alors on imagine qu'il y a plein de bons ingrédients là-dedans. Hein? Ah ben, complètement, et puis surtout c'est une histoire, c'est l'image, c'est la soupe d'Alpage, c'est celle que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mettaient sur le feu, qui pouvaient rester une nuit à mijoter avec de la viande et des légumes. Tartiflette au reblochon, ça existe, Philippe Monnet? Tartiflette au reblochon, ça? Ben oui, c'est un produit phare. Hein. Ça parle de lui-même, pas beaucoup de choses à rajouter. Alors dans les soupes, soupe d'ortie, alors ça, la soupe des grands-mères, et vous la faites aussi, cette soupe d'ortie? On la fait, excellent pour la santé, l'ortie, vraiment méconnue, mais vraiment... Un délice, recette ancestrale. Alors après la soupe, les Dio vin blanc ici qu'on connaît bien, les Dio vin blanc. Ben voilà, on a un petit vin blanc de Savoie avec nos Dio au Savoyard. Là aussi, le soir, on ouvre la boîte. Et hop, c'est parfait. Et les terrines, Philippe Monnet, les terrines. Alors, terrines de Beaufort, je vois ici, c'est incroyable quand même ça. Et oui, terrines, on les a déclinées en 12 parfums, le Beaufort, le Campagne, le Genépi, la Chartreuse. Alors la Campagne est ici, et alors le Genépi, terrines, le Genépi, vous allez le cueillir aussi? Non, on ne va pas le cueillir, mais on travaille avec la distillerie Meunier dans le 38, qui est une très vieille distillerie qui fait des produits exceptionnels. Et puis le farcement savoyard, alors ça c'est rare de trouver du farcement comme ça, hein, Philippe Monnet? Eh oui, chemisé. Chemisé. Chemisé à la main. Avec une farce, on peut le voir, avec une farce pruneau, raisin de Corinthe et crème fraîche. C'est juste à l'apéritif ou au bain-marie, c'est juste une tuerie. C'est vraiment le produit qui représente le patrimoine culinaire des montagnes. Et bientôt, les rillettes de porc à la Guézours, ce sera... Alors, on a déjà la rillette, mais c'est vrai qu'on travaille une nouvelle recette avec des chefs du territoire qui sera encore un peu plus fin. L'ail des ours... Finesse, élégance, force, puissance, délicatesse, avec une rillette qui est moulée à la louche à l'ancienne. Tout est dit, Philippe Monnet. Alors, on rappelle les délices gourmands dans 600 points de vente, bientôt du e-commerce. On peut en trouver presque partout. Hein. C'est ça, on peut les trouver absolument partout. Épicerie fine, boulangerie, boucherie, certaines grandes surfaces du territoire également avec lesquelles nous sommes partenaires. Et effectivement, Philippe, à partir du mois de décembre, vous pourrez aussi commander directement pour les recevoir chez vous vos paniers garnis ou vos commandes à travers un petit site de e-commerce très simple et authentique. Coup de cœur, on le rappelle, pour la dernière conserverie de montagne artisanale, on le précise bien, avec des produits fabriqués en Pays de Savoie, dans le Chablais donc, et avec une origine savoyard 100%, 99%. Bravo, merci Philippe Monnet, de l'authentique, du vrai, de la proximité, de la qualité. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Les délices d'Alpage.